Le désordre est collectif, mais la sentence est individuelle. Mesdames et messieurs, regardez quelques séquences des images de notre frère colonel Frontal, le jeune Camerounais courageux qui s'est porté garant, qui s'est autoproclamé l'héros de l'avenir Kennedy. Il dit encore qu'il est la voix des sans-voix. Regardons attentivement et je vous reviens après pour vous expliquer le Cameroun sous un autre angle. C'est toujours le roi du game, la voix des 100 voix, colonel Frontal. Héros de Kennedy, la foi tout terrain, colonel Frontal. Je vais vous montrer comment ça a été bloqué. On ne sait pourquoi la communauté urbaine a donné ce parking à Orange Cameroun. Qui a cassé l'avenue Kennedy, on ne sait pas. Il y a déjà la piscine à Kennedy, on ne sait pas. Qui est monté dans le camion d'Awara, on ne sait pas. Et qui est le payé déjà en kidnapping, on ne sait pas. Quand tu es jeune, il faut apprendre à dire la vérité. Parce qu'un jeune qui ne dit pas la vérité, c'est un sorcier. Ils m'ont averti que d'un moment à l'autre, mon corps sera paralysé. Mais depuis plus d'un mois, je souffre. Je souffre. Je ne parviens plus à dormir. Mon père, je vois vraiment que ton fils vraiment n'a jamais été baptisé. Hein? Parce que vraiment, il faut le baptiser, vraiment. Il faut combattre beaucoup avec les prières. Avec l'air de mon traitant, il m'a coupé la chevelure que j'avais gardée, la coiffure que j'avais conservée pendant plus de 10 ans. Il m'a également conseillé de donner ma vie en Dieu et de prier beaucoup, d'aller à l'église et de même me baptiser. Tu avais bu ça, n'est-ce pas? Oui, tout était dans ma bouche, ça allait cracher. Aïe! Aïe! Vous allez vous battre parce que la situation aussi n'est pas vraiment comme vous pensez là. Regardez un peu comment l'eau là va. Quand on vous dit que l'eau c'est l'eau des esprits, les gens vivent dedans, vous allez voir comment l'eau là se transforme parce que les esprits sont dedans. Ce n'est pas bien. C'est le sang là que tu as bu, c'est le sang là dans le ventre. L'eau est venue le sang. Le sang là est comme ça là, c'est un très mauvais. Il y a ça dans son ventre, comme tu vois là. Tu ne peux pas boire le sang comme ça, tu marches avec ça. C'est que tu ne peux pas être humain. Mon Dieu. C'est pas normal. On va enlever tout ça, il faut que ton père va se battre. Il faut aller maintenant nous les esprits de l'eau. Il faut nous les esprits de l'eau parce que le sang qu'il a bu là, c'est un mauvais sang. C'est le sang de plusieurs personnes. Et les gens vivent dans l'eau. Et ça se passe comme ça. Aidez-moi, pardon, je ne veux pas mourir. Tu as été libéré aujourd'hui. Tous les mauvais esprits qui te dérangeaient. Donc à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Et rien ne va nous empêcher. C'est pas parce que ils m'ont tenté avec des esprits maléfiques que je vais baisser les bras. Vous savez, un colonel ne tombe pas facilement. Je ne vous trahirai pas. Et rien ne va m'empêcher. Au contraire, je vous reviens très fort. Publicitaire. Bienvenue à Afrique Nature. Afrique Nature est cette entreprise qui a été mise sur pied pour éradiquer vos problèmes de maladies, les maladies qui vous dérangent au quotidien. Si vous avez des problèmes de paludisme ou de fièvre typhoïde, encore appelée typhoïde, contactez rapidement Afrique Nature. Il vous propose un produit comme Artemis pour éradiquer à ce mal-là. Ultra Power qui permet de détoxifier l'organisme en général. Force naturelle favorise la circulation sanguine. Surtout, permet de nettoyer les reins afin d'être viril au lit. Urine qui détruit toutes les infections urinaires. Dentiste qui est la solution efficace pour tous vos problèmes de dents. C'est-à-dire qu'il soigne vos mal des dents sans toutefois arracher vos dents. Je rappelle qu'Afrique Nature ne soigne pas toutes les maladies comme les autres naturopathes. Ils sont spécialisés seulement dans les 5 maladies que vous avez citées là. La particularité de Afrique Nature est qu'ils n'achètent pas les produits ailleurs pour vous revendre. Ils fabriquent leurs produits dans leur usine même. Afrique Nature est située à Yaoundé au niveau de Santa Barbara. Appelez ces numéros pour avoir plus d'informations. Ok. Eh bien, vous voyez dans votre jeunesse camerounaise, n'est-ce pas? Toto n'a du tout rien compris. Tout ce qu'il a subi, il n'a rien retenu.
il dit il revient plus fort que jamais. Cher ami, même les longues longues avaient chanté je vais mourir pour vous. Après ils sont revenus, il dit je ne mourrai pas, je vivrai. Après encore, il est encore revenu nous dire ça ne vaut pas la peine de mourir pour les Camerounais. C'est Longue Longue qui disait ça. Faisons très attention. C'est pas parce que vous avez vu les Jipoy Remingolo faire les dénonciations. Vous avez vu les Varsero dénoncer. Les Dumento. Ils sont tellement nombreux. Vous courez aussi. Vous venez aussi. Vous voulez faire comme eux. C'est très bien de dénoncer. C'est même très bon. Mais je voudrais rappeler à mes jeunes frères que la politique, ce n'est pas pour les enfants. Et quand vous vous engagez à attaquer certaines catégories de personnes, soyez prêts. Parce que tous ces gens que vous voyez bavarder sur Facebook, chacun sait sur quoi il compte. Alors, quand quelqu'un se lève matin, il s'attaque à tel ministre, il s'attaque à tel, vous pensez que son ventre est commun. Vous pensez que lui, une personne ordinaire comme vous, là, comme, tu te lèves aussi, tu veux suivre sa ligne éditoriale, pourtant tu n'es pas préparé. Ah, ou bien, j'espère que tu es préparé, comme tu dis que tu reviens en force. Parce que si ça t'a raté le tour, si mon cher ami, je te conseille de changer ta ligne éditoriale. Parce que tu n'es pas suffisamment prêt pour cette ligne éditoriale. Et je voudrais profiter dans cette vidéo pour attirer l'attention de ces abonnés qui passent le temps à nous mettre la pression. Vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça. Et je voudrais dire aussi à mes collègues, ne vivons pas la vie de nos abonnés, la vie que les abonnés nous imposent. Mon frère, mène ta vie comme tu vas supporter toi-même. Oui, ce monsieur, depuis quelques jours, il dit qu'il dort, les sirènes d'eau, les mamiurata, les ceci, on lui promet la mort et tout. Il était seul avec sa famille. C'est avec son père qui marchait partout pour trouver les soins. Aucun abonné. Personne n'était avec lui. Mais quand il enlevait les choses dans les camions d'Awara pour remettre au sol, il y avait toute une foule derrière lui qui l'accompagnait. Quand il partait à l'avenir, Kennedy dit pas monter les casses, monter les oranges qui ont fait quoi. Il y avait les gens derrière qui applaudissaient. Mais quand il a commencé à gérer les retours de tout ça, il était une place. Où est passé dans le public qui applaudissait? Il était seul. Faisons très attention. Ce qui m'inquiète, c'est que jusqu'ici, il n'a pas appris une leçon. Il n'a rien compris du tout. Et vraiment, vous comprenez à quel point notre jeunesse, vraiment, je ne sais pas ce qui les arrive, mais la politique est un couloir très, très glissant. Quand quelqu'un se lève et se porte garant d'attaquer des hommes politiques, il faut être prêt. Il faut être prêt. Comprenez bien ça. En tout cas, mon frère, jusqu'ici, je pense que tu n'as pas compris la leçon. Tu n'as pas toujours compris la leçon. Donc voilà, après, quand tu es quitté chez ton marabout, tu es allé à l'église, tu pries déjà, tu penses à te baptiser. Ce qui est une bonne chose. Mais tu reviens encore pour continuer ton combat. Bravo. Notre frère là, il est parti. Gabriel, bientôt, on va enterrer. Depuis qu'il est parti, qui ne mange pas, qui ne part pas au travail, la vie de qui s'est arrêtée? Méfiez-vous. Quand vous faites le show, on est derrière, on vous applaudit. Mais quand le retour arrive, c'est une place dans le cercueil. On n'a jamais mis deux personnes dans une tombe. Et quand on arrive au poste de contrôle, on n'a jamais demandé la carte d'identité de quelqu'un qui représente aussi une autre, même si c'est ta femme. Chacun a sa carte d'identité nationale. Une place.
en bon entendeur. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.